Oh. Oh ouais. Ça tue. Des vlogs, on s'est aperçu que hier en fait on avait fait beaucoup de plans mais on a très peu parlé, du coup personne ne sait ce qu'on fait ni quand ni comment, du coup c'est assez chiant entre nous. Donc là aujourd'hui je vais vous faire un récapitulatif de ce qui va se passer et après avant de filmer juste je vous dirai bah là on va faire ça, là on va faire ça, là on va faire ça. Et voilà, tout ça c'est le principe d'un vlog de base. Du coup voilà, on va commencer la journée par finir les 50 t-shirts qu'on avait à faire hier. Donc on va faire les dos des t-shirts cette fois. Ensuite, on va finir la prod d'un client. On va lui faire ses doudounes, on va lui faire ses pantalons, on va lui faire... On a reçu des trucs pour Major Billion que je vous montrerai plus tard. Pour l'instant, je vais le garder pour nous. Et une fois que ça sortira, Major Billion, on fera une vidéo récap de tout ce qu'on a reçu avec tous les plans, de même les plans d'il y a 3 semaines que j'ai déjà filmé. Bref, on passe à la suite. Maintenant, tout de suite, 50 t-shirts, dos, c'est parti. Bon, du coup, on va attaquer les 50 t-shirts là qui restent. Juste ici, on a l'impression à l'arrière, du coup, plutôt nickel. Et voilà, l'impression a fait 7 cm comme le client l'a demandé. Et là, bah, c'est parti. Hein. Oh, grand problème. Ok, vas-y, renvoie. Parfait. Juste. Une petite impression ici. Bon, on a fini les 50 t-shirts. C'est... Ok, Serena a fini voilà. Les 50 t-shirts. Pendant ce temps, je me suis occupé des clients et de tout ce qui est devis, etc., etc. Comme tu peux le voir juste ici, on a tout ça à produire. Et là, on va faire du coup le jogging, donc avec les deux impressions ici. Il m'a demandé 7 cm, ça paraît beaucoup plus petit que sur le mock-up. Bon, et bien, je vais le presser. Hop. Hop. Comme ça, là à 160 degrés pendant 15 secondes. Une fois que la presse elle est remontée, on va attendre un petit peu que ça refroidisse parce que si on enlève tout directement, les lettres vont partir avec. Donc c'est un petit peu. J'ai loupé le carton. Ah, j'ai loupé le carton. J'avais ça à mettre dedans. Voilà, et là c'est si satisfaisant la tâche que, je sais pas si on la voit bien la caméra. Ici, en gros, ça c'est la tâche de chaleur qui va s'enlever d'ici 5 minutes. Et attention, ben voilà. Voilà ce que ça donne, une écriture phospho. J'ai ça aussi à faire pour lui, donc je viens de finir du coup. Ce long sleeve à faire avec un hoodie. Hop, on va faire la deuxième jambe. Ensuite, on passe au sweat à capuche, au t-shirt. Et une fois que tout ça c'est fait, j'ai plus qu'à emballer. Il vient chercher quand il veut et c'est prêt. Du coup, il vient d'y avoir une commande 7 à l'instant T. C'est un t-shirt L phosphorescent, pardon. Mais le problème, c'est que j'en ai plus. Du coup, il faut que j'en refasse. Donc là, je vais expliquer comment faire. Comme ça, un, Serena, tu retiens. Et deux, au moins tout le monde voit comment c'est fait. Avec le plotter de découpe qu'il y a juste ici, on va venir découper totalement le 7. Et ensuite, avec une pince, on va venir enlever tout le surplus, donc le haut, l'intérieur du G un petit peu, l'intérieur du S, du C, etc. Et ensuite, ça va nous donner ça. Ça, on va le mettre exactement comme ce que j'ai fait tout à l'heure par rapport à la commande de Playground. Donc le même principe. Hop, bien centré pour que tout soit parfait. Hop. Hop, là, exactement le même principe. Hop, hop, là, le t-shirt, il est prêt.
Ça, il faut le décoller une fois que le t-shirt il est un petit peu plus frais, parce que là il est beaucoup trop chaud et ça va décoller les lettres. Après, on le plie, on le plastifie, on l'emballe, on met la facture, on met le bordereau et ça part. Mais elles sont bleues ? Il y a que du L là. Ouais. C'est-à-dire là, ils sont amusés, ils ont mis une pixel bleue. C'est sérieux. J'ai commandé pour le client, j'ai commandé 8 doudounes noires. Ils ont envoyé 7 doudounes noires et une doudoune bleue navy. J'ai trop la haine. Mais tu sais pas comment on est dans la merde là. Là, faut que je commande là encore. C'est-à-dire, je vais encore payer là les frais, là les taxes. Elle va arriver. Waouh, mais alors, je te parle même pas de l'arrivée. Elle arrive la semaine prochaine, hein, dans 2 semaines même. Alors que le client, il lui faut pour là. Ah, au fait, j'ai vu que t'aimais bien le bleu, je t'ai pris une petite doudoune en plus. Ah putain. Bah ouais. Bah toi tu lui dis et il kiffe et voilà. Charlène. Ok, maintenant on a tous les logos qui sont tous prêts juste ici. On a toutes les doudounes qui sont prêtes à être print. Comment on peut dire ça ? Un flan, un boudin. Un boudin, le deuxième boudin. On va prendre sur le deuxième boudin pour que ce soit bien au niveau du cœur. Là. Déjà, le boudin est droit. Le logo est droit. Ouais. Là, il est droit. Ok. Oui. Hop. Et voilà. Elle tue. Parfait. Ok, bah c'est parfait. Le rendu final. Waouh. Vraiment, vraiment belle, hein. C'est bon, là on va à la poste, on dépose les colis, ensuite on revient ici, on finit la commande du client et une fois qu'elle est prête, bah, je crois qu'après on n'a plus rien à faire. Hein. Je crois qu'après ça, on a fini notre journée. On a fait une journée assez hardcore, beaucoup de production. Putain, ça y est, on est vlogueur devant les gens et tout. Oh, il y a trop de monde, en plus il y a une sortie de lycée. Je suis là, Archem. Bon, journée terminée, je n'en peux plus. Mais dis que tu m'aimes pas, franchement ça irait beaucoup plus vite, je te mens pas. C'est le dernier plan de cette journée. En tout cas, on s'arrête de filmer maintenant. Voilà, prenez soin de vous, c'était Seven. À la prochaine, à quand, on ne sait pas. Mais on se capte, prenez soin de vous.